L'ondalocinusienne est la forme la plus sévère de sinusite chronique. Elle touche environ 5% de la population adulte et se manifeste par un nez très bouché, une perte de l'odorat et du goût et des écoulements importants dans l'arrière-gorge qui sont extrêmement invalidants. La base du traitement de la polypose est médicale, basée sur de la cortisone, essentiellement en pulvérisation nasale, plus rarement en comprimé. Dans près d'un tiers des cas, ce traitement n'est pas suffisant et les symptômes demeurent extrêmement invalidants, altérant la qualité de vie. Le traitement chirurgical est alors nécessaire. Il est réalisé par chirurgie endonasale, par l'intérieur du nez, sans cicatrice, sans modification du visage, et permet d'enlever la totalité des polypes qui sont dans les sinus ethmoïdaux, en enlevant également les cloisons séparant ces sinus. Ce traitement chirurgical donne d'excellents résultats, puisque plus de 85% des patients opérés retrouvent une fonction nasale presque normale ou normale, avec une diminution considérable de la consommation journalière et annuelle de corticoïdes. On peut donc recommander le traitement chirurgical dès lors qu'une polypose est cortico-résistante et requiert trop de consommation de corticoïdes.